Les juniors disputeront le 21e trophée de la ville de Châtellerault. Les meilleures formations de cyclisme amateur ont-elles rendez-vous entre Chasseneuil-du-Poitou et Chauvigny, deuxième manche de la Coupe de France des divisions nationales 1, à laquelle participera le top 16. L'équipe charentaise a reconnu le parcours cette semaine. Nous étions aux côtés des quatre coureurs et du directeur sportif qui espèrent briller sur leur terre régionale. Regardez, les images sont signées Cyril Paquier, le montage Karine Grivet. Soyez attentifs à tous les aspects du parcours. On essaye de faire gaffe à tout ça pour dimanche. Et puis moi, je vous donne 2-3 points importants en fonction de ce que j'ai repéré déjà. Ok ? Arthur Beauchaud et son équipe du top 16 à l'assaut de la deuxième manche de la Coupe de France. Le directeur sportif et ses coureurs reconnaissent le parcours de la Vienne classique entre Chasseneuil-du-Poitou et Chauvigny. Là, on entre dans le grimpeur de Bellefonds. C'est le grimpeur le plus dur de la journée. On est kilomètre 32 à peu près. Plus de 160 km au programme. L'occasion de marquer des points au classement des meilleures formations amateurs. Un rendez-vous incontournable de la saison. Avant tout, on est à la maison. On est devant nos partenaires, devant notre public. Donc, il faut arriver à faire quelque chose de bien. La première manche, c'est pas réellement passé comme on le voulait. On n'a pas marqué de points. Donc, on est 21e sur 27 pour le moment. L'objectif, c'est d'aller marquer des points pour revenir dans ce top 15, au classement de la Coupe de France. Pour y parvenir, le directeur sportif peut s'appuyer sur son capitaine de route, Jérémy Bellico. Vous avez vu, avec la descente avant, ça va arriver vite, le pif-paf sur la grande route, c'est un peu tendu, quoi. Après deux saisons dans les rangs professionnels, la deuxième au plus haut niveau mondial, le Charentais n'a pas été conservé par son équipe. Passé la déception, il a opté pour un retour dans sa structure de formation. Une question de plaisir. La prise de plaisir passe aussi par avoir des résultats, mais que ce soit des résultats personnels ou pour l'équipe, ça serait super. Voilà, la prise de plaisir, elle est dans le fait de pédaler avec des mecs sympas et d'apporter un peu d'expérience à des jeunes et des moins jeunes. Une expérience certainement utile sur les routes de la Vienne. La météo y joue souvent des tours au peloton. L'équipe est prévenue. Là, ils annoncent un vent aux alentours de 15 km/h en continu, 25 en rafale, un peu comme on a eu au Vallée de la Loire. Okay. Ça peut suffire. Hein. Si elle n'est pas piégée, la formation charentaise comptera sur la pointe de vitesse de Louis Lapierre. Habitué de l'épreuve, le sprinteur est très ambitieux cette saison. Ça fait quelques années que je suis en élite maintenant. Donc j'ai accumulé pas mal d'expérience et le but, c'est de maintenant réussir à gagner quelques courses. Quoi. Lesquelles ? Dimanche, ça serait bien. Une victoire, histoire d'ouvrir le palmarès du top 16 cette saison. De conforter l'équipe parmi les meilleures formations de Division Nationale 1.